deux lieux insolites en Équateur. Donc si vous aimez sortir des sentiers battus, si vous êtes un peu curieux, pardon, et voilà, si vous aimez voir des choses un peu que les touristes ne voient pas, je vous conseille, si vous visitez l'Équateur, deux lieux insolites. Donc premièrement, vous avez Vilcabamba, donc une ville connue pour être la ville des centenaires, donc située en montagne. Donc vous allez croiser que des personnes qui ont entre 100 et 200 ans dans cette ville. Donc non, non, je rigole, c'est une blague. Mais voilà, c'est connu pour être une ville qui abrite vraiment des personnes qui ont une longévité de vie vraiment hors du commun. Donc vous avez Vilcabamba et vous avez le parc national de Carras. Donc c'est vers Cuenca. Et là, c'est pareil, c'est situé dans les montagnes, donc avec plein de petits lacs, c'est un parc national. Et voilà, vous avez plein de petits lacs, c'est des randonnées à faire, etc. C'est vraiment top. Et voilà, c'est un lieu assez humide en montagne.